فيها بتليق مع العشان. ده مش هتعمل اكزرسيس كيف بالظبط اللي هو الاكزرسيس دكاف. ده مش هعطيكم الماتريس خدمه فيوش ماتريس مش هنبدل الماتريس نعطيكم ماتريس اخر مصالح السيس ميم كيستيون دكاف سي بان نطلبه معي في الاكزرسيس سيس راوهك في التابلو مراوحة ايش ابا سيك بي نبدي اتوقع دونك جو بدون نماتيس ا دونك سوا ا نماتيس دوني بار وضوية 0 1 0 0 0 1 1, 3, 0. C'est une matrice de M, 3, de R. D'accord ? Donc, la première question, il nous demande de calculer. Calculer. Donc, A. Donc, A au carré. Et A à la puissance 3. En identifiant la taille de chaque matrice. D'accord ? Quoi ? Bien. Donc, comment je vais calculer donc, A au carré ? A fois A. A fois A. Très bien. A fois A. Fois la matrice A. C'est quoi A ? C'est 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et 1, 3, 0. Ça vous donne quoi? 0 fois 0. Voilà, je vais multiplier la ligne 1 par la colonne 1. Voilà, dictez-moi. Oui ou même? Flou au tableau. Allez, 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0. Très bien. 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0. Ça me donne quoi? 0. Très bien. Voilà. Deuxième question, celui-là. Tu as dit 0 fois 0. Donc 0 fois 0. 0 fois 0. Oui. 1 fois 1. Très bien, ça fait quoi? 0. Non. 0 plus 0 plus 1. 1 et 1. 1, très bien. La troisième option. Donc, fois la colonne 3. Donc, c'est 0 fois 1, 0, plus 0 fois 3, 0, plus 1 fois 0, ça fait 0. C'est bon la ligne 1? Oui. Oui. Très bien. Maintenant, on passe la ligne 2. On va multiplier par la colonne 1. D'accord? Donc, 1 fois 0, ça fait 0. Plus 1 fois 0, 0. Plus 3 fois 0, ça fait 0. Très bien. Maintenant, la ligne 2 fois la ligne, fois la colonne 2. Donc, 1 fois 0, 0. 0 fois 0, c'est 0. Plus 3 fois 1 reste 3. 3. Très bien, ça réduit. Bien. Donc, maintenant, ce qu'on fusionne, donc c'est la ligne 2 fois la colonne 3. Donc, 1 fois 1, plus 0 fois 3, c'est 1, ça réduit. Plus 0, 3 fois 0, ça fait 1. Voilà. Maintenant, on va multiplier la ligne 3 fois la colonne 1. Donc, c'est 0 fois 0. 0. Voilà. Plus 1 fois 0, fois 1. 1. Plus 0 fois 0. 0. Le résultat, c'est quoi? 1. Très bien. Maintenant,
la ligne 2 fois la colonne 2, la ligne 3 fois la colonne 2, donc c'est 0 fois 0, 1 fois 0, 0 fois 0, ça fait 0. Ensuite, la ligne 3 fois la colonne 3, donc c'est 0 fois 1, 0, 1 fois 3, plus 3, et 0 fois 0, 0, donc plus 3 reste 3. Voilà la matrice A au carré. Maintenant, A à la puissance 3, c'est quoi la matrice A à la puissance 3? A au carré fois A. Très bien. C'est quoi A au carré? Donc, c'est la matrice, voilà. Donc, c'est 0, 0, 1, 1, 3, 0 et 0, 1, 3. Voilà la matrice A, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 0. Ça fait quoi? C'est une matrice, donc. On va multiplier la ligne 1 fois la colonne 1. 0 plus 1 plus 0, ça fait 1. Maintenant, la ligne 1 fois la colonne 1, 2. Donc, c'est 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. La ligne 1 fois la colonne 3. 0 plus 3 plus 0, ça fait 3. 1. C'est bon? C'est quoi 1? Celui-là, c'est 1. On va vérifier. Donc c'est 0 plus 3 plus 0. Très bien, c'est 3. Ensuite, 0 fois 0 plus 1. Donc 0 plus 0. 3 fois 0, ça fait 0. D'accord? Plus 1, ça fait 1. Très bien. Et celui-là? Identifions la taille de chaque matrice. Cette matrice appartient à quoi? 3 lignes, 3 colonnes. Donc c'est 3, 3, indice 3. Donc c'est une matrice carrée, M3 de R. Et celui-là aussi, c'est une matrice carrée, M3 de R. Donc A et A au carré, A au carré et A à la puissance 3. Donc, sont des tailles, de taille, c'est le nombre de lignes fois nombre de colonnes. Voilà donc la question 1. Maintenant, on passe à la question 2. Donc, la question 2 nous demande de calculer. A au carré, B, et C1. Voilà, je peux multiplier A au carré fois petit a. Ça me donne quoi? Donc la question 2, la question B, 2, voilà. Petit a fois a au carré. Comment on peut donc faire la deuxième loi de composition externe, la loi de composition externe, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire. Celui-là, c'est la multiplication entre les matrices, par deux matrices, d'accord? C'est pas la même. La multiplication avec un scalaire, d'accord? Je vais multiplier la matrice A2, A au carré par un scalaire petit a, d'accord? Donc c'est A au carré, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 3. Ça me donne quoi? C'est une matrice. Donc, je vais multiplier tous les coefficients par petit a. Donc, ça me donne A fois 0, c'est 0, 0, A, 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 3A, 0, 0, oui, A, 3A, 3A, très bien.
Matrice de taille. De taille quoi? Combien? 3 lignes, 3 colonnes. 3 fois 3. Très bien. 3 fois 3. Donc, maintenant, B, petit B, avec A, bien sûr, avec A, installé, appartient R. Maintenant, soit. Donc, maintenant, soit donc, un autre scalaire B, soit B, un scalaire. Je vais calculer B fois A à la puissance A seulement. Voilà, A seulement. Ça fait combien? Donc, B fois A, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 0. Voilà. On va donc multiplier tous les coefficients de la matrice A par B. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les coefficients de la matrice A par B. Donc, ça fait 0, B, 0, 0, 0, B, B, 3B et 0. Donc, c'est une matrice aussi de taille 3 fois 3. D'accord? Maintenant, on passe C fois l'identité. C'est quoi l'identité? On va multiplier par C. Donc, je vais garder A au carré là, à côté. Et celui-là, c'est A au sens 3. D'accord? Celui-là, c'est A au carré. Je vais le garder à côté. Et celui-là, c'est A au sens 3. On a besoin. Maintenant, c'est quoi A? C fois l'identité. C'est quoi? Donc, C fois l'identité. Et de quoi? C'est C fois, petit C fois la matrice. C'est quoi l'identité? La matrice, c'est le diagonale 1 et donc, D0. D'accord? Alors, bien. Je vais multiplier cette matrice, l'identité par C, ça fait combien? Donc c'est C là, C là et C là. Et les autres, ce sont des 0. Les autres positions sont des 0. D'accord? Voilà, donc l'identité possible. Bien. Et on nous demande d'identifier la taille de chaque cas, de chaque une de matrice. D'accord? Chaque matrice.